Moi, je suis malheureusement persuadé qu'aujourd'hui, notamment dans l'industrie, l'intérimaire, c'est de la chair à canon. C'est ta variable d'ajustement. C'est quand les organisations syndicales en CSE, elles défendent l'emploi, elles ne défendent pas Bien l'emploi. sûr. Elles défendent l'emploi des CDI. Bien Par sûr. contre, si on vire des intérimaires, elles en ont rien à foutre. Ce n'est pas les gens qu'elle défend. Mais ceci Non. dit, attends, pardon, je fais une parenthèse ici. C'est peut-être la chair à canon des entreprises qui bénéficient du travail des intérimaires. Ça ne veut pas dire que c'est la chair à canon des entreprises de travail temporaire qui les emploient. Absolument, sauf que c'est quand même un système comme ça où la variable d'ajustement, c'est ces braves intérimaires. Tiens, regarde, je suis déjà un peu condescendant, ouais, c'est cool. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que l'ambition d'une entreprise intérimaire, ça pourrait être justement, et notamment si elle n'est pas trop grande, d'éduquer le marché du travail à une meilleure utilisation de cette force de travail. Je ne crois pas, je connais bien l'industrie, tu le sais, j'ai fait beaucoup de missions. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une industrie performante en France sans intérimaire. Salut Jérôme! Salut Pat. Alors, hey, c'est toi qui fais la table ronde du management aujourd'hui Ouais. avec moi. C'est un sacré changement, je ne suis pas habitué. Hein. Bah moi non plus. Donc la table ronde du management, jusqu'ici c'était Camille et moi. Et on a décidé, à nouveau format, nouvelles règles, d'avoir des consultants qui allaient tourner. Donc là, aujourd'hui, tu as la lourde charge de remplacer Camille. Et puis d'autres fois, c'est moi qui serai remplacé par d'autres. Donc on va garder ce format où des consultants d'Albus discutent entre eux d'un problème précis. On sera toujours deux, mais ça ne sera pas toujours Patrick et Camille, et ça ne sera pas toujours ni même l'un de nous deux. Donc peut-être que la prochaine fois, tu feras ça avec un autre membre de l'équipe. Et donc aujourd'hui, c'est toi qui nous amènes un sujet de management Exactement. issu d'un de tes clients. Oui. Et il faut qu'on dise des trucs géniaux sur le sujet. Ouais, sans faute de liaison. Et en plus, sujet que tu connais même pas à l'avance. C'est un client qui a des problèmes de fidélisation et de turnover, figure-toi. Ah, du coup, c'est pas le seul, probablement, en Non, plus. Donc je c'est pense. ça, ça va être intéressant de parler du sujet, d'essayer de résoudre le problème de ton client et évidemment de trouver des généralisations pour les autres. Exactement. C'est un client qui est une entreprise de travail temporaire. Ok. C'est pas un des énormes, tu vois, c'est pas Manpower, c'est pas Ouais. Randstad, Mais c'est l'idée, quoi. C'est l'idée. mais Ok. c'est l'idée. Ouais. Bon, ils ont quand même 150 ou 200 agences, je crois, sur l'ensemble de la France, découpées en un certain nombre de régions. Et en fait, ils sont dans une situation assez paradoxale parce que, tu sais, il y a quand même une certaine tension sur le marché du travail en ce moment au profit des salariés, c'est-à-dire La que grande la démission. grande démission, Ouais, je voilà, tout connais. ça. Et donc à la fois, ils en profitent parce que leurs clients entreprises ont vraiment besoin d'eux pour trouver des ressources, et donc ça tire leur activité. Et en même temps, ils sont pénalisés par ça parce qu'eux-mêmes sont touchés par un fort turnover. Ouais. En fait, ils sont touchés doublement. D'un côté, ils ont du turnover en agence. Et donc, par exemple, dans une région où il y a 15 ou 20 agences, il va régulièrement manquer 3 ou 4 responsables d'agence quand même, Ah oui, d'accord, qui ouais. sont partis dans les Ah ouais. 12 ou dans les 12 derniers mois. Qui n'ont pas toujours été remplacés parce que c'est dur pour eux de trouver des gens. Et ça, c'est la première fois en fait qu'ils sont confrontés à ça. Ils ont eu très très peu de turnover jusqu'à présent. Et en plus, ils sont aussi confrontés à un deuxième problème qui est comment est-ce qu'ils arrivent à fidéliser leurs intérimaires? Bien sûr, ouais. Parce que tu sais, en fait, eux, ils ont un peu deux clients. Ils ont les clients Ah entreprises et les clients intérimaires. Et là aussi, ils ont du mal à fidéliser leurs intérimaires qui, pour un certain nombre d'entre eux, décident de changer de vie, de faire autre chose, etc. Et donc, des intérimaires qui bossaient depuis des mois ou des années pour eux, ben, ils n'ont plus de nouvelles. Et ça, du coup, c'est un sujet intéressant parce qu'effectivement, on disait qu'il faut qu'on arrive à généraliser. Moi, j'ai le sentiment que ces derniers mois, ces dernières années peut-être, en tout cas ces derniers mois, c'est clair, j'ai l'impression qu'au-delà de la grande démission qu'on voit surtout aux US et tout, moi, j'ai l'impression que ça, c'est un vrai sujet, le recrutement, la fidélisation de mes salariés qui sont intérimaires au CDI. Et effectivement, c'est rigolo de le regarder du point de vue du travail temporaire parce que je suis vraiment au cœur du sujet. Mais en vrai, ouais. Intéressant la question de la fidélisation dans ce moment tendu. C'est pas comme si Exactement. j'étais le seul au milieu d'un marché dépressif. Non, non, ok. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, là, c'est vraiment la question de comment est-ce que j'arrive à donner à des gens libres et qui exercent leur liberté, en fait. Parce que, en fait, la grande nouveauté, c'est que les gens exercent leur liberté. Quand ils en ont marre, ils s'en vont plus facilement. Donc, comment est-ce que j'arrive à donner à des gens libres des raisons de rester? Que ce soit des gens libres salariés ou des gens encore plus libres, parce que même pas salariés, simplement intérimaires, ce qui est une relation un peu différente Ouais, tout à fait, tout à à fait. l'entreprise.
Et comment est-ce que j'arrive à faire ça, en fait? D'accord. Ouais, ouais. Tu vois? Ça, c'est la question que te pose ton client aujourd'hui. Directement, il te la pose comme ça. Ouais, en fait, il me la pose. C'est une des sous-questions, parce que la question, c'est plutôt comment est-ce que j'arrive à fédérer l'équipe autour d'un projet d'entreprise enthousiasmant. Sûr, ouais. Mais on se retrouve avec des directeurs de région et des directeurs de secteur, le niveau du dessous, qui sont tellement accaparés par le fait de jouer aux pompiers parce qu'il faut remplacer un tel, il faut recruter, il faut intégrer, il faut former, enfin toutes les conséquences du turnover, qu'ils sont tellement happés par l'opérationnel et par les sujets RH qu'ils ont vachement de mal à prendre de la hauteur. Comme ils ont du mal à prendre de la hauteur, ils ont aussi du mal à réfléchir à quelle solution on trouve pour que ce soit plus chouette de rester demain qu'aujourd'hui. Et donc, ils sont un peu coincés, quoi. Oui, et du coup, cette difficulté à apporter des réponses parce que je suis surchargé, parce que machin, bah en vrai, ça doit augmenter le turnover parce que du coup, la qualité de l'encadrement, la qualité de la façon dont on travaille ensemble se dégrade. Et donc, du coup, j'ai envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais. Je ne sais pas si elle est plus verte ailleurs en vérité, mais ça me donne envie d'aller voir parce que, en tout cas, chez nous, elle devient de plus en plus marron, quoi, l'herbe. Et donc, on a vraiment ce... Et puis, ça semble plus facile d'aller voir ailleurs. Ouais, ouais, ça semble plus facile, oui. Et puis, en plus, je suis d'accord que moi, il y a un truc qui me frappe beaucoup avec tous ces articles autour de la grande démission, etc., c'est qu'il n'y a de ça pas si longtemps, les gens, quand ils étaient malheureux dans leur job, ton pote, tu lui dis, vas-y, casse-toi et tout. Et ouais, mais CDI, ouais, mais mon loyer, ouais, mais mes enfants, le machin, le truc. Et qu'en fait, plus ton marché est fluide, c'est ce qu'on voit aux US, hein, c'est-à-dire aux US où ils ont moins de mal à lâcher un boulot pour aller en prendre un autre, bah, t'as un peu moins le carcan CDI en mode je suis bien où je suis au chaud, c'est l'expression, qui est un problème. Et donc la vague s'amplifie avec tous ces gens qui y pensent depuis des mois, mais qui ne réalisent leur projet que maintenant. Je lisais un truc là-dessus, je crois que c'était dans Le Monde, il disait que, en fait, il y a je sais pas combien de millions de démissions aux États-Unis. Ça, c'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a 40% des gens qui démissionnent, qui n'ont pas de job derrière. Ouais, ça, c'est ouf. Donc, ils démissionnent sans rien. C'est ouf. Et ça, c'est vraiment un signe de confiance dans ton employabilité qui est énorme. Qui est assez incroyable et qui n'est pas limité, moi, si je comprends. Et enfin, en tout cas, je vois chez mes clients, qui n'est pas limité aux cas de sup. Parce que les cas de sup, il y avait déjà un peu ce truc de… Bah, là, tu le vois chez mon client. Hein. C'est pas forcément des cas de sup. Bah, c'est donc, même plutôt pas des cas ouais, de sup. C'est ça. Ouais. Ah, pas du tout. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que là où, dans les mois et les années précédentes, la sécurité de l'emploi, le fait d'offrir une sécurisation des revenus, etc., était presque une promesse suffisante et qui te dispensait de répondre mieux que ça à la question de pourquoi les gens restent. Bah aujourd'hui, tu vois que la sécurité de l'emploi, c'est beaucoup moins un argument et qu'il faut trouver autre chose. Ouais. Et pour ajouter à ce que tu disais juste avant, effectivement, ça fait boule de neige parce que, et là, je vois bien chez mon client, c'est que surtout dans les agences où tu n'as pas de RH, de responsable d'agence, et où le management est assuré par les directeurs de secteur, voire directement le directeur régional, ce qui est quand même vachement moins pratique, il a moins de temps et tout ça, et ben, y a encore plus de démissions. Bah, bien sûr, ouais. Bah, oui. Donc du coup, tu t'amplifies. Et tu sais, ça me fait penser à un truc, c'est notre collègue Charlie qui me disait ça souvent. Il me disait, moi, j'essaie d'avoir un conseil sur mesure, mais il y a un conseil que je donne à tout le temps, tout le monde, de façon totalement certaine, c'est... Il ne faut jamais qu'un N+1 se décide, quand on a un trou comme ça, à faire le boulot de son N-1. Parce que quand il fait ça, justement, il le fait moins bien, il amplifie le problème. Il vaut toujours mieux mettre quelqu'un, même insuffisamment compétent, pour faire le boulot à sa place. Toujours, toujours. Quelqu'un de l'équipe, tu veux dire ? De l'équipe, n'importe qui, en fait. Tout est mieux que le chef qui fait le job. Et il n'y a rien de pire que le chef qui fait le job, parce que, un, il fait plus son job à lui. Deux, il va amplifier le problème parce qu'il va mal faire le job du mec d'en dessous. Et donc, on est dans une spirale où il va trouver le job hyper compliqué. Il va se dire, ah, il me faut quelqu'un de tellement compétent. Même moi, j'y arrive pas, etc., etc. Tout ça, c'est faux. C'est juste une question de disponibilité et de liberté d'esprit, etc. Donc, ça, voilà. C'est intéressant parce que ça donne une première piste. Avant de se demander comment on rend notre entreprise beaucoup plus attractive avec des raisons de fidéliser les gens et tout ça, c'est déjà... Comment est-ce qu'on gère cette période où il y a du turnover et il faut en gérer les conséquences pour que ça ne fasse pas effet boule de neige? Et là, j'ai l'impression que tu donnes un premier élément de réponse. C'est, enfin, déjà, il y a un truc à ne pas faire, quoi. Mais oui, en fait, il faut se taffer. Ça a l'air évident, mais il faut se taffer et ce n'est pas grave. En fait, c'est marrant. Là, j'ai une autre discussion avec un autre client. En ce moment, exactement le même problème. Alors, c'est plutôt sur un poste un peu plus élevé, mais le type me dit... Patrick, j'ai un vrai sujet, je dois remplacer quelqu'un très fort et je trouve personne d'aussi bon. Bah, évidemment,
Le mec que tu dois remplacer, ça fait 5 ans qu'il tient le poste. Il n'y a personne d'autre au monde qui tient ce poste depuis 5 ans. Donc, il n'y a personne au monde, hein, meilleur que lui pour tenir ce poste. En tout cas, qui connaît mieux ce poste que lui. Le gars que tu vas recruter, il ne doit pas ressembler au type qui part. Il doit ressembler au type qui part il y a 5 ans. Oui. Dans le niveau de compétence qu'il y avait il y a 5 ans et qui était bien moindre. Et donc, ça, c'est très important. C'est que c'est une erreur presque grotesque de vouloir staffer un poste avec quelqu'un de compétent. Ouais, c'est nier l'apport de 5 ans d'expérience, quoi. Oui, et puis c'est, mais vraiment, c'est presque grotesque. Ouais, ouais. C'est-à-dire que si je suis compétent pour ce poste, c'est que je l'ai déjà tenu ou que j'ai déjà tenu un équivalent. Mais alors, pourquoi j'ai envie de prendre celui-là? Donc, pour moi, le premier truc, et après, on va parler de comment on diminue le turnover. Mais le premier truc, c'est que on a bien vu que si tu sous-staffes, t'aggraves le turnover parce que la vie au travail devient l'enfer. Et donc, tu l'aggraves. Donc, il ne faut absolument pas sous-staffer. Il faut staffer. Quitte à prendre des gens pas compétents. Pas encore compétents. Oui, c'est ça. Pas encore compétents. Pas encore compétents. Et quitte à prendre des gens de l'équipe, pour le coup. Ça peut être le cas. Mais en fait, tout est mieux que rien. Ouais, ouais, c'est ça. Puisque moins j'ai de gens, plus j'augmente la boule de neige. Ouais. Donc, il faut absolument que je staffe. Et évidemment, si je suis très très exigeant, et alors, on va pas dire aux gens, quand tu les recrutes, tu leur dis pas, bah, bon, t'es nul, mais je te prends quand même. On va aller chercher du soft skills, enfin, tout ce que tu connais, des capacités de posture, de, voilà, ou de comportement, de relation. Mais il faut staffer. Il faut staffer le plus possible, y compris avec des gens pas totalement compétents. Ouais, ouais. Après, là, je vois chez mon client là, du travail temporaire, le problème, c'est que ça, ils essayent vachement bien de sûr, le faire. Ouais, je me doute. Ils consacrent énormément de temps à ça. Mais je pense qu'ils cherchent des gens compétents quand même. Mais ils cherchent des gens compétents, c'est surtout qu'ils cherchent des gens avec lesquels ils s'imaginent pouvoir rester des années. C'est-à-dire qu'ils ont en tête que ça ne peut pas seulement être une solution pour parer à l'urgence et qu'il faut que ce soit des personnes quand même qui s'adaptent. Ils ne vont pas jusqu'à, entre guillemets, dégrader leurs critères de recrutement. Mais en fait, c'est une erreur parce qu'ils sont dans un système qui est insatisfaisant. La preuve, il y a du turnover. En fait, il faut stopper l'hémorragie. Enfin, pour moi, il faut stopper l'hémorragie. Quoi qu'il arrive, avec des gens, et t'y vas. J'avais une petite anecdote quand ma femme Jeanne a changé de boulot il y a quelques années. Elle ne savait pas du tout quoi faire. Elle avait été faire une demi-journée de stage en boucherie. Spoiler alerte, elle n'a pas maintenu. Mais le mec lui avait dit à la fin, moi, boucher, je crois que c'était 3 500 € par mois. Je te prends tout de suite. Elle ne savait rien faire. Je te forme, je te donne un job. Fin de l'histoire. Alors là, il n'a pas réussi parce que le boulot est super dur. Mais en vrai, il y a une logique à ça. C'est de dire... En fait, c'est pas grave. Les gens qui cherchent du boulot, les accueillir, les former, leur faire confiance à autre chose qu'à leur CV, c'est super, c'est cool. Et donc, il faut remplir. Et oui, ils veulent du long terme. Oui, ils veulent du long terme. Ouais. Et puis, ils veulent aussi qu'il n'y ait pas de turnover. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Il y a un côté. Tu vois, dans la manière dont j'ai posé le sujet, je disais en fait, ils ont un double problème de fidélisation. En fait, je me demande si la fidélisation, c'est même pas une fausse réponse. C'est-à-dire. Une réponse d'un contexte qui pourrait être évolu si cette histoire de grande démission prenait de l'ampleur. Là, mon client, ils n'ont pas un contexte pourri. C'est-à-dire que les gens sont plutôt contents. Et ils managent plutôt pas mal. Mais quand même, il y a un certain nombre de gens qui partent parce que voilà, il y a de plus en plus de gens qui trouvent que leur champ des possibles est beaucoup plus important que ce qu'ils avaient imaginé jusque-là. Et donc, une hypothèse qu'on pourrait faire, c'est que même en progressant encore en management, en étant capable de produire des conditions de travail encore plus épanouissantes, qui favorisent encore plus l'esprit d'équipe, qui font faire des trucs encore plus chouettes aux gens et qui les font encore plus progresser, à mon avis, c'est quand même pas déraisonnable de considérer qu'il y aura durablement un niveau de turnover plus important que celui du passé. Et donc, la question, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à s'adapter à ça, un peu comme là on vit avec le Covid, on va vivre longtemps avec le Covid, c'est un peu comme si le turnover allait aussi devenir endémique. Et donc, comment est-ce qu'on arrive aussi à avoir une facilité de recrutement et d'intégration beaucoup plus simple et plus efficace, comme si finalement l'intégration devenait une compétence clé, beaucoup plus que par le passé, parce qu'on va devoir gérer un turnover longtemps. En tout cas, je suis d'accord que le turnover, il est principalement, presque toujours présenté comme un cancer. Ouais. Pas toujours, hein, par exemple, chez Decathlon, non. Oui, et puis, parfois il est trop bas, et parfois il n'y a pas de... Ouais. Mais on va dire, par exemple, Decathlon, ils ont pris le parti de dire « Je veux des vendeurs qui soient des passionnés de leur sport,
c'est pas grave s'ils ne le sont pas du coup pendant 30 ans, vendeurs. Mmh. Parce que des passionnés de basket, de tennis, de machin, j'en trouverai toujours, si tu veux. Et c'est pas très grave, c'est une partie de ma vie. Donc, moi, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais à 100%, pour moi, le problème du turnover, c'est comme le problème du chiffre d'affaires, si tu veux. C'est-à-dire que c'est pas un sujet, le turnover. C'est pas un cancer, c'est un symptôme qui est plus ou moins grave. Mais en tout cas... Et puis, ça déstabilise quand il évolue brusquement. Oui. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui arrive. Voilà. Ça évolue brusquement, voilà. On n'est pas habitué. Et je peux tout à fait le comprendre. Mais en réalité, tu pourrais très bien te dire, au fond, c'est quoi le turnover ? Soit c'est parce que ton système interne est merdique, et là, effectivement, il faut améliorer. Soit c'est parce qu'on est aussi dans une société où les gens, comme tu disais, exercent leur liberté, se sentent plus libres de faire un bout de carrière ici, un bout de carrière là. Je pense que dans l'intérim, c'est particulièrement vrai. Bon, ça reste à prouver. Mais je pense que dans d'autres carrières, etc. aussi. Donc le turnover, c'est pas grave en soi. La question, c'est comment est-ce que j'arrive justement à pas m'obséder de ça, à créer les conditions pour qu'il ne s'aggrave pas bêtement. Par exemple, le sous-staffing, ça crée du turnover, ça, ouais. Là, c'est très ouais, grave, ouais. Parce que c'est du turnover lié au stress, ouais. Ça, c'est un problème. Et puis ensuite, je vais avoir un système. Si mon système est très bon, il est probable que comparativement, il ait un meilleur turnover, mais c'est même pas sûr. Et moi, j'ai souvent conseillé à des boîtes, souvent des petites, soit dit en passant, mais pas toujours, de se détendre à fond sur les départs. Mmh. Un départ, c'est pas grave. Des fois, moi, quand je dis ça en interne chez nous, là, les consultants, ils disent oh, « mais tu tiens pas du tout à nous ». Je m'adresse à eux, là, en direct. « Si, si, je tiens à vous ». Mais en fait… T'as croisé les doigts, là, non ? Non, non, non. Je n'ai pas croisé les doigts. Non, mais « si, si, je tiens à eux ». Mais le truc, c'est qu'un salarié, ce n'est pas la propriété de son patron. Donc, en fait… Bah oui, c'est ça la liberté dont on parlait. Il faut sortir de ça. C'est-à-dire que le système même, moi, la fidélisation, tu le sais, on en parle souvent, ça me saoule, la fidélisation d'entreprise. La rétention, mais ça me saoule en fait. D'ailleurs, on parle souvent de la fidélité des salariés, on pourrait aussi parler de la fidélité des boîtes. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exemples dans lesquels les boîtes ne sont pas tellement fidèles à leurs salariés et pour autant. Et si on ne veut pas faire un podcast de 2 heures, on ne va pas faire la liste des boîtes qui ne sont pas fidèles à leurs salariés. Non, mais c'est sûr. Ouais. Depuis les années 80, au moins 2000, elles sont très très peu fidèles, même les boîtes publiques. Hein. En gros, c'est ça le truc, c'est que tu n'es pas propriétaire de tes salariés. Non, mais donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, il y a effectivement. Ne pas aggraver. C'est-à-dire qu'il y a des effets boule de neige qu'il faut prévenir, ouais. Il y a des progrès à faire dans le management. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on a misé un peu trop sur le fait que les gens attendaient de la sécurité de l'emploi pour être un peu fainéants en management et pas aller très très loin sur ce qu'on proposait aux équipes, là, il y a vraisemblablement des progrès à faire. Mais au-delà de ça, avoir un objectif de fidélisation qui soit très ambitieux, plutôt que de s'adapter à un turnover qui peut-être va être plus important et s'ajuster à ça, ça pourrait être gênant. Même on pourrait assister à une espèce de surenchère, en fait. C'est-à-dire que si absolument je veux fidéliser mes salariés, ça va être quoi ? Est-ce que je vais aller vers toujours plus de carottes ? Est-ce que je vais aller vers une surenchère de conditions de travail, de primes, de ceci, de cela ? Ce qui est finalement une autre manière de créer des cages dorées et donc une autre manière de réduire la liberté des gens. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que j'essaye à nouveau de faire en sorte que les gens soient moins libres de partir ? Et donc, sauf qu'avant, ils n'étaient pas libres de partir pour des questions de sécurité de l'emploi, et après, ils ne seront pas libres de partir juste parce que je leur aurais fait une cage dorée. Mais ce qui existe déjà dans des grandes entreprises, chez Total, chez L'Oréal, les gens y parlent très peu. Hein, ils disent, on est bien là où on est, hein, exactement. Ils en sont conscients. Et dans les deux cas, c'est une logique de réduction de liberté. Bien sûr. Ou l'alternative, c'est que j'accepte vraiment que les gens soient libres. Oui. Et donc, je m'organise pour faire en sorte qu'un départ. À partir du moment où il est souhaité que c'est une bonne nouvelle pour la personne, ce soit un non-événement. Ou alors un événement positif. C'est ça. Et nous, on a été tous les deux, dans nos précédentes vies, managés par des managers qui avaient des tas de qualités, mais qui avaient ce vrai problème lié à la fidélité de leurs salariés. Et nous, et toi et moi, quand on est partis de nos précédentes boîtes, même si toi, c'était moins vrai que moi, on sentait bien qu'on avait des gens qui étaient frustrés, donc pour qui le départ est un peu vécu comme un échec. Le départ, il n'est pas vécu comme un échec. Mes salariés, ils ne m'appartiennent pas. Le but de la manœuvre, c'est je dois avoir une offre qui me permet d'attirer des gens plus ou moins compétents, mais ça peut être moins compétent, puis je les forme, c'est très noble, tout va bien, en tout cas, motivé, machin. Je dois avoir une trajectoire de management qui fait que pendant le temps qu'ils sont là, ils apprennent des choses, ils se développent, ils sont raisonnablement heureux, etc. etc. Et puis ensuite, il faut admettre que probablement que les carrières d'aujourd'hui, c'est des carrières où je vais passer 5 ans dans une boîte et puis 3 ans dans une... Et on va dire, oui, c'est du zapping. T'as envie, toi, de passer encore 40 ans dans la même boîte ?
Pourtant, on n'est pas des apeurs. Moi, oui, évidemment, ouais, Patrick. Toi, évidemment, parce que t'es vieux, mais les autres, les jeunes que nous sommes. Non, mais pour de vrai, tu vois que... On n'a pas... C'est pas grave, en fait. Ils ont le droit d'avoir des projets. Nous, on a l'exemple chez nous de gens qui partent à l'étranger, qui vont faire un break, qui veulent reviennent. Qui reviennent, mais qui, à la limite, ils ne reviennent pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, il y aura cette question-là de comment je m'adapte à ça en tant qu'entreprise. Ouais. Et comment je l'assume? Juste avant, y a, ce que tu dis me donne une autre idée. Tu dis, voilà, un management raisonnablement qui fait progresser les personnes et tout ça. Ça, je trouve que c'est un point important parce que, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir quasiment jamais vu partir quelqu'un d'une boîte quand il était dans une période où il se sentait progresser. Ouais. Tu vois? Et donc, je trouve que là, il y a quand même... Je sais qu'il faut. On vient de se dire qu'il ne fallait pas être trop dans une logique de fidélisation pour respecter la liberté des gens. N'empêche que si on veut quand même garder le turnover dans des limites qui nous semblent raisonnables, et puis chaque entreprise mettra le niveau qui lui convient autour du turnover raisonnable, c'est aussi comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que mes salariés, mes équipes, se sentent constamment dans une phase de progression, se sentent raisonnablement challengés, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une piste intéressante autour de ça. Ça me fait penser à une histoire que je vais te raconter. Il y a longtemps, je travaille pour un mec qui s'appelle Denis Martin. Denis Martin, c'est un type qui est débauché de chez Valeo pour devenir le directeur industriel de PSA à l'époque. C'était avant Stellantis, c'était il y a quelques années ça. Il sort de Valeo et on lui dit, avant que tu deviennes le directeur industriel, on va te mettre en stage. Tu vas voir que le stage, ça a de la gueule. C'est que pendant 8 mois, donc de septembre à fin juin, peut-être juillet, peut-être 10 mois, il devait être le directeur de l'usine de Rennes, la bagatelle de 8000 personnes à l'époque, d'accord? Donc c'est son stage, il arrive, le mec, non mais c'est un mec confirmé, il veut dire patron industriel d'une entreprise industrielle, c'est quand même pas mal. Bon, tout le monde le sait, donc on n'est pas en face d'un manager qui s'inscrit dans la durée, tu sais, le fameux mec qui va développer l'usine. Non, il a un vrai objectif, tout le monde sait qu'il est en stage. Et dans les premières semaines, dans les premiers mois, il fait peur aux gens parce qu'il est hyperactif, il a l'air d'être hyper dur, il fait des feedbacks à tout le monde. Puis dans une usine de 8000 personnes, le directeur de l'usine qui parle à l'opérateur, il y a, ouais, quoi, il y a 5, 6 niveaux, ouais, tu vois ce que je veux dire. Rien. C'est le ministre qui parle. Ouais. Bon. Et donc, au début, il fait peur. Et puis à la fin de son mandat, quand il est parti, je l'ai vu de mes yeux, hein, un mec qui a dû rester 10 mois, tu as des opérateurs la larme à l'œil. Les opérateurs, la larme à l'œil après un patron qui est resté 10 mois, alors normalement c'est un zapper. Qu'est-ce qui est là pour son profit personnel, pour sa carrière, enfin, ils auraient pu se dire ça les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 10 mois, ce mec, il a fonctionné avec une règle qui était permise par un sentiment. Son sentiment, c'est qu'il aime les usines et tout ce qui va avec, les opérateurs, les machines, les machins. Et une obsession, il dit, moi, quand j'ai un contact avec quelqu'un, j'essaye de lui apprendre un truc. J'y arrive pas toujours et j'essaye. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 mois? Quand il allait voir un opérateur au début et que l'opérateur lui présente, par exemple, je sais pas, les causes d'un problème qui a eu lieu la veille dans l'usine, le patron lui fait des remarques. Donc le N plus 8 lui dit non, mais attendez, votre présentation, faut pas faire comme ci, comme ça. Donc au début, ils étaient terrorisés. Puis finalement, ils se sont rendus compte, il ne l'a pas fait avec les 8000, mais il l'a fait tous les jours. Ils se sont rendus compte en fait que ce type, à chaque minute passée dans son usine, il était là pour faire progresser les gens. Juste ça, il avait un niveau d'exigence de malade, mais il voulait toujours les faire progresser. Et je pense que... C'est une intention qui se voit en plus. Ouais, c'est une intention qui est hyper concrète. Ouais. Elle est liée à un niveau d'exigence hyper élevé, donc ce n'est pas une question de justement de cage dorée, de surtout je te fais pas chier comme tu vas rester. Non, tu vas rester pas parce que je te fais pas chier, tu vas rester parce que je te fais chier, mais je te fais chier pour ton bien et tu vas te sentir plus intelligent après mon passage qu'avant. Ça, c'est effectivement extrêmement pertinent, extrêmement efficace. Mais il y a des gens qui sont partis de cette usine pour devenir garagistes et monter leur garage. Ouais. Peut-être motivés par le fait qu'ils ont appris. Ouais. Et c'est très bien. En fait, cet exemple, il est hyper intéressant parce que je pense qu'une des craintes qu'on pourrait avoir par rapport à cette espèce d'inversion du rapport de force entre l'entreprise et le salarié, c'est-à-dire que là, on décrit des salariés qui sont plus forts, qui pèsent plus dans la relation. Une des craintes qu'on pourrait avoir, c'est en tant que manager, je vais être obligé de m'écraser devant mes équipes parce que sinon, ils vont partir en fait. Mais non. Et cet exemple-là, il est hyper intéressant pour ça. Tu dois rester exigeant. Tu dois rester exigeant dans une logique de progression des gens. Exactement. Et de progression au sens large. Pas forcément de progression dans la grille de salaire, dans les postes. Ça peut être une progression dans la compréhension du monde, le recul sur l'atelier, le machin. En tout cas, j'ai ça. Ça ne les empêchera pas de partir. C'est-à-dire que pour moi, le turnover, c'est endémique, c'est probablement souhaitable. Je parlais un peu de Total.
Total, je crois qu'ils disent, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui vont nous dire non, c'est plus ça, mais à un moment donné, je crois qu'ils disaient 0,5 de turnover. 0,5. Ouais, bah là, ça a dû évoluer, mais. Ça a dû évoluer un peu. Ouais. Mais de base, c'est des entreprises dans lesquelles on reste et ils sont tous d'accord pour dire que c'est un problème, 0,5. Ouais, bien sûr. Personne non, mais c'est, ne c'est part. Quoi. Et ce que, ça me fait penser à autre chose, ce que tu dis, c'est que je pense que ce degré d'exigence et cette orientation vers la progression, on peut aussi l'appliquer, pas uniquement au management des équipes, mais au management des intérimaires. Sûrement, dans l'exemple là. Tu vois, ça me fait penser tu vois, un réalisateur avec une équipe de comédiens, par exemple, ou un metteur en scène avec une équipe de comédiens. Là, c'est pareil, tu as une relation hiérarchique, entre guillemets, qui est plus faible que ce que tu pourrais trouver. Les gens sont plus libres, ils peuvent aller venir, etc., dans une certaine mesure. En tout cas, ils peuvent décider de ne pas refaire un deuxième spectacle ou un deuxième film avec le même metteur en scène. Et j'ai l'impression que les comédiens qui sont, entre guillemets, fidèles à des metteurs en scène, c'est aussi des comédiens qui louent énormément l'exigence, et l'exigence de progrès, et les progrès qu'ils ont faits en tant que comédien avec ce metteur en scène. Oui, d'ailleurs, les gens désiraient tourner avec Kubrick, alors que c'est une montagne d'exigence, probablement la plus grande montagne d'exigence jamais... qui a jamais existé sur cette planète. Et tu vois, et donc ça veut dire que tu peux avoir ce niveau d'exigence et cette orientation vers les progrès, y compris quand tu n'es pas le manager hiérarchique de la personne, ce qui est le cas avec les intérimaires chez mon client, par exemple. Et pour aller dans ton sens, moi j'ai une copine, Émilie, si tu nous regardes, qui est saisonnière. Et donc, ce n'est pas de l'intérim, enfin quand même, on n'en est pas très très loin. Mmh. Et tu vois bien qu'elle a aussi cette exigence-là. C'est-à-dire que tu vois bien que quand elle prend un job dans des vignes, dans un camping, dans un hôtel, dans une station de ski, précisément, elle a choisi cette vie pour la liberté, pour ce côté un peu bohème qu'elle aimait, etc. C'est pas pour se laisser emmerder par des cons. Non mais tu vois, c'est-à-dire que c'est pas des gens... En fait, on pourrait résumer, bien sûr qu'il y a des gens qui le font subi, contraint, machin, tout ce que tu veux, mais c'est pas que des gens comme ça. T'as aussi des gens, ils font ça aussi par choix, ils font ça pour pas être emmerdés, parce qu'ils veulent pas se lier à un seul patron pendant des années. Et donc, si toi, dans ton management des intérims, tu dis « moi, j'en ai rien à foutre, les intérims, c'est la chair à canon, j'en fais ce que je veux, puis si j'en veux plus, je les sors, etc. etc. » Mais non, en fait, gars, parce que t'as pas d'usine en France aujourd'hui qui fonctionne pas sans intérimaires. Exactement. Elle ne fonctionne pas sans, donc tu as besoin d'être un peu attractif quand même. Après, là, tu décris des managers qui pourraient être assez cyniques, chers à canon, tout ça. Je pense que tu peux faire cette erreur sans être cynique. C'est-à-dire tu peux considérer que à partir du moment où les gens sont intérimaires, saisonniers ou d'autres statuts qui ne sont pas les statuts salariés auxquels on peut être parfois plus habitué, bah, tu peux dire bah, c'est des gens pour qui la trajectoire professionnelle passe après d'autres choses, et c'est des gens qui sont moins orientés vers la progression. Ouais. Et en réalité, moi, je ne pense pas du tout que ce soit plus le cas. C'est-à-dire que c'est pas la même progression. Mais n'empêche que la satisfaction et la fierté de se sentir progresser, de se sentir mieux maîtriser certaines compétences, mieux gérer certaines situations, etc., eh ben, cet effet positif-là, il est le même. Mais bien quel sûr. Que soit ton statut, parce qu'en fait, c'est juste une question, c'est l'humain est orienté vers ça. C'est-à-dire, l'humain a besoin de bien se sûr, sentir sûr. Progresser. Et avoir ce regard-là, y compris vers des statuts qui ne sont pas forcément des statuts, entre guillemets, traditionnels, à mon avis, c'est hyper important. Et sinon, c'est quand même être un tout petit peu condescendant malgré soi, de considérer que ça, c'est des gens qui sont moins orientés vers la progression, ou alors cette équipe-là, de toute façon, on sait bien, c'est des gens qui stagnent. Et donc, sous prétexte qu'ils stagnent, ils ont envie de stagner toute leur vie. Et tu vois, pour reprendre notre copine Émilie, là, qui est donc saisonnière, ces dernières années, elle a pris pas mal de boulot saisonnier dans les vignes, tu vois. Et elle n'a pas de velléité de progression, au sens où je ne l'ai pas encore entendu parler de « je veux acheter un domaine et puis exploiter ma vigne et tout ». Mais si tu la mets dans un domaine avec un vigneron, qui bon, la traite correctement, mais lui apprend deux, trois trucs, lui montre comment ça marche, lui explique, valorise son terroir, ses outils, machin, lui montre que... elle va rester, en fait, plus que sur un vigneron qui en a rien à foutre. Et le truc, c'est que le vigneron, lui, il a besoin que les gens restent au moins la saison. Et il est content parce que c'est relou chaque année. Bien sûr. Donc, il est content si Émilie, elle revient 6 mois plus tard pour faire la taille des trucs, etc. Et donc, en fait... Il faut bien comprendre que l'investissement, et on avait écrit un article il y a quelques temps là-dessus, sur, tu sais, dis-moi comment tu manages tes agents d'accueil. Oui, c'était les agents d'accueil. En tout cas, toutes ces populations sous-valorisées. Hein, ouais. Si tu commences à te dire, OK, c'est des gens qui sont interchangeables, qui n'ont pas de velléité de progression, qui n'ont pas tout ça,
en fait, tu te retrouves d'abord, humainement, c'est un vrai problème, parce que un intérimaire, et là, je le dis quand même solennellement, c'est un humain. Donc, Oui, absolument. On confirme que oui. C'est ça, à part entière. Non, mais du coup, d'abord, c'est un humain, mais en plus, c'est trop con, parce que du coup, tu montres dans ton management, en fait, le mépris que tu as pour, pour les petites gens, c'est vraiment l'enfer, quoi. Et moi, je suis vraiment... D'ailleurs, c'est une des critiques que je fais au système du travail français, c'est la caste CDI versus la caste non-CDI, dans laquelle tu as énormément de privilèges pour les premiers. Pourquoi pas, mais en tout cas, du coup, énormément de non-privilèges. Vas-y, va louer un appart si t'es pas en CDI en France, c'est la merde. Pour moi, ça, c'est un énorme problème structurel de la France. Mais en management, on ne peut pas changer ce problème structurel. C'est-à-dire l'octroi d'un prêt, c'est compliqué. Mais on peut lisser ça. Moi, quand quelqu'un me dit « mais j'invite mon CDD à mon séminaire », ben oui, il ne fait pas partie de ton équipe. Ouais, mais il part dans 6 mois. Et quoi ? Ben, il va bosser pour toi pendant 6 mois, vas-y mec. Là, si je reviens à mon client, il y a un problème de comment est-ce que tu opérationnalises ça, je trouve. C'est-à-dire, imaginons, et d'ailleurs je pense que c'est leur cas, pour les mêmes raisons que le vigneron dont tu parlais, qui est bien content qu'Émilie revienne tous les ans, eux, ils sont bien contents d'avoir des intérimaires qui reviennent souvent, qui sont mobilisables assez facilement, etc. La question c'est, comment est-ce que tu fais quand tu es l'organisme qui place les gens dans des entreprises qui vont elles-mêmes les manager et que tu n'as pas directement ce rôle-là, comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que, au gré des missions que tu leur proposes, ils se sentent dans une trajectoire de progrès ? Est-ce que c'est une question de mission sur lesquelles tu les affectes ? Est-ce que tu te débrouilles quand même pour leur donner, pour les recevoir en entretien régulièrement, pour leur donner des feedbacks sur la manière dont ils s'y prennent, pour leur donner des conseils ? Tu vois, ça, je trouve que c'est pas facile. Même si tu as l'intention de le faire, je trouve qu'à partir du moment où tu ne vois pas les gens bosser, ou alors peut-être que... il faut qu'ils prennent des feedbacks des managers qui encadrent ces personnes-là, je ne sais pas. Alors, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas facile. Mais en fait, tout le monde a intérêt à faire ça, d'accord ? Tout le monde a intérêt à ce que tes intérimaires soient bien dans leur pompe et qu'ils puissent revenir raisonnablement, même si le turnover, à mon avis, est endémique et qu'il ne faut pas trop battre compte. Mais moi, je suis malheureusement persuadé qu'aujourd'hui, notamment dans l'industrie, l'intérimaire, c'est de la chair à canon. C'est ta variable d'ajustement. C'est quand les organisations syndicales en CSE, elles défendent l'emploi, elles ne défendent pas l'emploi. Bien sûr. Elles défendent l'emploi des CDI. Bien sûr. Par contre, si on vire des intérimaires, elles en ont rien à foutre. Et c'est pas les gens qu'elles défendent. Mais ceci dit, attends, pardon, je fais une parenthèse ici. C'est peut-être la chair à canon des entreprises qui bénéficient du travail des intérimaires. Ça ne veut pas dire que c'est la chair à canon des entreprises de travail temporaire qui les emploient. Absolument. Sauf que c'est quand même un système comme ça où la variable d'ajustement, c'est ces braves intérimaires. Tiens, regarde, je suis déjà un peu condescendant. Ouais, c'est cool. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que l'ambition d'une entreprise intérimaire, ça pourrait être justement, et notamment si elle n'est pas trop grande, d'éduquer le marché du travail à une meilleure utilisation de cette force de travail. Je ne crois pas, je connais bien l'industrie, tu le sais, j'ai fait beaucoup de missions, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une industrie performante en France sans intérimaire. Je ne pense pas qu'on sera à 100% des CDI. L'industrie, ce n'est pas comme ça. Non, et d'ailleurs, ça n'a jamais été le cas. Les gens, ils n'achèteront jamais autant de voitures chaque mois. C'est pas possible. Donc en fait, ce n'est pas une denrée d'ajustement. C'est une denrée rare. C'est une denrée précieuse. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là où moi, tout à l'heure, je galérais un peu à essayer de trouver la meilleure manière que l'entreprise de travail temporaire pourrait avoir de manager, mais en direct, les intérimaires. C'est pas les intérimaires qu'il faut manager. Toi, ce que tu dis, c'est non, faut aider le client à mieux manager les intérimaires. Exactement, parce que c'est dans son intérêt aussi. Moi, je suis une usine, je recrute des intérimaires, je galère avec mes intérimaires. Quand tu regardes les scores de sécurité, par exemple, en général, il y a plus d'accidents chez les intérimaires que chez les CDI. Pourquoi ? Parce que je galère à les manager. Bien sûr. Et il n'y a pas beaucoup de missions dans l'industrie où ils ne me disent pas « Putain, comment on fait pour les entreprises extérieures, pour les intérimaires, on a beaucoup d'accidents. » En vrai, tu as une vraie éducation à faire. Sauf qu'il faut reprendre le système. L'intérimaire, ce n'est pas une variable d'ajustement. C'est une condition sine qua non de la performance de l'industrie en France. J'ai vu un contre-exemple de ça au chantier de l'Atlantique. Parce qu'au chantier de l'Atlantique, il y a certaines phases de construction des navires où ils ont tellement d'entreprises extérieures. Tu vois, par exemple, il y a une phase qui s'appelle la phase d'armement. C'est quand ils mettent toutes les cabines, les restaurants et tout ça dans les navires de croisière. Où là, il peut y avoir 3000 personnes qui travaillent sur le bateau.
qui proviennent de 300 entreprises différentes. Mmh. Et là, évidemment, il y a des enjeux de sécurité très importants, il y a des enjeux de management très importants. Et là, j'ai l'impression, justement, alors ça ne passe pas par des boîtes d'intérim, hein, ils contractualisent directement avec des entreprises extérieures. N'empêche qu'ils se retrouvent dans une situation où ils managent des gens qui ne sont pas des intérimaires, mais qui sont quand même des gens qui viennent d'entreprises extérieures. Ils sont dans les intérimaires dans le sens propre du terme. Exactement. Ils sont là par intérim. Exactement, exactement. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette boîte, c'est que ça fait vraiment partie de leurs compétences clés de réussir, de savoir faire ça. Et du coup, ils progressent là-dessus. Ils savent mieux faire qu'ailleurs. Et c'est intéressant parce qu'à partir du moment où certaines boîtes savent mieux faire que d'autres, alors ça veut dire qu'il y a des marges de progrès pour toutes Exactement. Les boîtes. Et Total, qui a la même chose que les chantiers d'Atlantique, puisque eux, ils ont des grands arrêts, tu sais. Mmh. Ils arrêtent l'usine tous les 5-7 ans. Et là, pour le coup, il y a plein de gens qui ne sont pas là d'habitude. Ils font la même chose. Mais si tu veux, aujourd'hui, on est en train de parler, je ne sais pas dans quelle mesure on ira, de réindustrialisation de la France, de réindustrialisation de l'Europe. On aura une réindustrialisation qui passera par un marché du travail en partie souple et fluide avec beaucoup d'intérimaires, même si en proportion, il ne faut pas que ce soit énorme, mais en volume, il y en aura beaucoup. Je le souhaite, c'est nécessaire, on ne peut pas faire une industrie performante qu'avec des CDI. Mais par contre, si on veut que cette industrie soit performante, il faut donc que les entreprises d'intérimaires, et je crois que les moyennes ont vraiment un coup à jouer là-dessus, soit non pas des fournisseurs de chair à canon, pardon pour l'expression, mais putain, c'est quand même un peu ça le système, mais qu'elles soient des gens qui conçoivent, qui aident à gérer cette main-d'œuvre absolument indispensable et absolument clé. Et c'est pas à eux de les manager. Parce que moi, quand je suis une entreprise intérimaire, je suis pas spécialiste de la production automobile. Par contre, ça peut être des experts qui aident les entreprises qui les accueillent à les manager correctement de la meilleure manière possible. Et en plus, by the way, on va vendre des jours plus chers parce que c'est des jours de conseil, ça, ça s'appelle. Hein, les jours de conseil, je m'y connais, ça coûte plus cher que les jours d'intérim. Parce qu'il va falloir accompagner et dire, attendez, moi, je peux plus pas continuer à vous fournir sans intérimaire à la demande comme ça, si après les 3 mois qu'ils auront passé chez vous, il y en a 80 qui ne veulent pas revenir. Les gars, bien sûr. Surtout quand on est dans des marchés du travail. De plus en plus fluide. De plus en plus fluide. Ok, donc ça m'intéresse. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va m'aider à aider mon client. Juste pour ne pas être trop long, je voudrais revenir sur un dernier point qu'on a ouvert. Tu sais, quand on disait, bon voilà, le turnover, ce n'est pas un mal, et donc il faut aussi ajuster ses capacités de recrutement et d'intégration à cette nouvelle donnée, à cette peut-être nouvelle donnée qui peut-être va durer dans le temps, qui est un turnover plus long avec des gens plus libres. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à s'ajuster à ça? Est-ce que ça veut dire que parmi les compétences du management qui vont être clés à l'avenir, il y a vraiment le fait d'être le plus efficace et le plus économe en énergie possible dans l'intégration? Tu vois, par exemple, mon client, il est vraiment très à cheval sur un truc qui, en plus, est très incarné chez lui, c'est un certain nombre de valeurs. D'ailleurs, c'est un des trucs qui est très agréable chez ce client-là, c'est que ce n'est pas des valeurs qui sont autoproclamées, c'est des valeurs que tu vois vraiment, tu vois. Et donc, assez logiquement, il a envie que ça se perpétue. Mmh. Et une de ses craintes, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne va pas perdre ça en recrutant plein de gens, en envoyant plein d'autres parties, etc. Donc, l'intégration, c'est un truc que vraiment, il ne prend pas à la légère. Et donc, ça l'inviterait peut-être à ne pas être très agile sur ce truc-là, à sortir un peu l'artillerie lourde à chaque fois. Mais s'il sort l'artillerie lourde à chaque fois, bah, ils vont se retrouver à faire que ça, quoi. Ouais, je suis partagé là-dessus. Pour moi, c'est encore une fois, je pars du... Alors, j'aime peut-être qu'il faut changer le mot turnover, en fait. Pourquoi il y a du turnover? Parce que les gens sont libres. Les humains sont libres. Je le désire, moi, que les humains sont libres. Alors, si tu veux qu'on prenne un mot moins négatif, ce n'est pas le turnover qu'on veut manager, c'est la liberté des gens. Mmh. D'accord, ok. Donc maintenant, je ne veux plus manager le turnover, je veux manager la liberté des gens. Par exemple, dans l'ancien monde, je ne parle pas par rapport au Covid, j'aime pas du tout cette expression par rapport au Covid, mais dans l'ancien monde, par exemple, je ne sais pas moi, tu as un salarié qui veut faire une année sabbatique, il faut qu'il ait 3 ans. Mmh. D'ancienneté dans la boîte. Dans l'ancienneté, ou 5 ans. Mmh. Hein? Mais pourquoi? En fait, je crois qu'on calcule à l'envers. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais récompenser les gens quand ils auront fait l'épreuve de la fidélité. C'est très con. Il n'y a pas que ça, je pense, comme critère. Je suis d'accord sur le constat, mais je pense qu'il y a un autre critère qui est on va récompenser les gens à partir du moment où on aura eu notre retour sur investissement. Oui. Et c'est-à-dire que comme on va les former et que pendant quelques mois, ils seront moins efficaces que s'ils étaient là depuis 3-4 ans, bah alors, ça veut dire qu'il y a un effort de management, un investissement plus fort, et que si on n'a pas ce retour sur investissement pendant 3-4 ans, c'est débile de les laisser partir. Oui, mais je pense que c'est ça le raisonnement. C'est sûrement ça, mais il est quand même à l'envers. Parce que je prends l'exemple de notre Audrey, donc une de nos salariés, qui est partie pendant 6 mois, 7 mois, en Corée, alors qu'elle était au cabinet avec nous depuis moins de 2 ans. Un an et demi, 2 ans. Bon. Audrey, quand elle est partie, elle me dit « Ah, bah merci de m'avoir autorisé à faire ça si tôt, machin, machin. »
Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se serait passé si on ne l'avait pas fait? Elle aurait démissionné, elle serait partie. Mon investissement, il est tout pourri, de toute façon. Donc en fait, il faut bien partir du principe qu'à partir du moment où j'ai des gens libres, si je les empêche d'exercer leur liberté, ils vont l'exercer quand même. Mais entre-temps, on se sera disputé. Entre-temps, on aura montré à tout notre collectif... Ils auront éventuellement traîné les pieds pendant 6 mois. Oui, on aura montré à notre collectif notre rigidité. Donc non, mon ami, mauvais calcul. Bon calcul, par contre, dire Audrey va exercer sa liberté dans son programme de vie. Elle a envie d'aller passer X mois en Corée, me demande pas pourquoi. Elle va les passer. On le fait de façon très libérale, ça montre aux autres qu'ils peuvent avoir des projets de vie et qu'on va les soutenir. Ça lui montre, elle était motivée jusqu'au dernier jour, comme c'est pas permis, tu t'en rappelles. Elle reviendra, je le souhaite, je l'espère. Si elle revient, elle sera super motivée et tout. Mais de toute façon, elle ne nous appartient pas. Donc, si elle veut le faire, elle va le faire. Mon intérêt, c'est pas ça. Mon intérêt, c'est de mettre tout en situation pour qu'elle aime faire le boulot qu'on essaie de faire. Nous, c'est du conseil, mais d'autres, c'est du marketing, des vidéos, de l'intérim, des avions, des voitures, des machins, ce que tu veux. Je vais créer les conditions pour que tout ça se passe dans un niveau de sérénité acceptable, j'apprends plein de choses, de trucs, etc. C'est ça. Oui. Et retiens pas tes coups, parce que de toute façon, ce que tu vas donner à ce salarié, tu le donnes publiquement, donc tout le monde le voit. Donc quand tu es en train de laisser Audrey partir en Corée... Et ça a des effets sur le groupe qui mais bien sûr, tu es en train de dire à tous les autres... Oui. Vous n'êtes pas en prison ici. Je continue sur l'exemple d'Audrey. J'espère qu'elle nous écoutera depuis la Corée. Ouais. Sûrement. Putain, si elle ne nous écoute pas, pour le coup, là, ça va barder quand elle va revenir. On est retransmis en Corée? Non, mais c'est du podcast, mon petit pote. Donc, on est retransmis en Corée. Ok, il faut que je m'habitue au nouveau monde. Donc, si je rebondis sur l'exemple d'Audrey, je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle ça nous semble parfaitement logique de la faire partir et qu'on n'est pas du tout dans ce calcul de retour sur investissement. Déjà, je pense que ça ne nous ressemble pas trop, mais il y a aussi une raison pour laquelle c'est plus facile pour nous. C'est que j'ai l'impression qu'on s'appuie énormément sur l'équipe, sur l'intégration. Vachement, en fait. Oui. Et ça, je pense que ça peut être une piste aussi pour rendre le turnover ou donc un management de la liberté beaucoup plus facile, tolérable et un peu indolore pour les managers. Parce qu'en fait, moi, ma question de base, c'est ça. C'est comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que cette gestion du turnover soit plus indolore pour les managers? Et je pense qu'une partie de la réponse, c'est, comme souvent d'ailleurs, s'appuyer vachement sur l'équipe. S'appuyer vachement sur l'équipe pour le recrutement, s'appuyer vachement sur l'équipe pour l'intégration. Déjà parce que c'est très valorisant pour l'équipe. Moi, je vois, notre équipe adore intégrer des nouvelles personnes. En plus, c'est génial parce que les anciens petits nouveaux sont plus nouveaux et se retrouvent dans la position de ceux qui accueillent, de ceux qui intègrent. Et donc, ça les fait grandir. Et on retrouve l'idée de progression. Parce que c'est extrêmement efficace et ça rend le parcours d'intégration, entre guillemets, vachement riche en fait, parce qu'il est géré et assuré par une grande diversité de personnes, dont certains sont là depuis longtemps, dont d'autres sont plus récents, dont certains ont un avis tranché sur certains sujets et d'autres sur d'autres, etc. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment ce truc qui est d'ailleurs un sujet de mobilisation et de responsabilisation des équipes, c'est comment est-ce que tu arrives à faire en sorte de donner la place la plus importante possible aux équipes dans le recrutement et dans la fidélisation. Et ça, c'est d'ailleurs le signe que ça devient un sujet stratégique, si tu le fais. Exactement. Et il ne faut pas oublier que c'est exactement ce que tu dis sur notre exemple, mais c'est véritable partout. Quand tu intègres quelqu'un, c'est un acte managérial qui concerne la personne que tu intègres, mais tous les autres. Quand tu traites un départ avec violence, ce n'est pas que vis-à-vis de la personne qui part que tu es violent. Tu es violent vis-à-vis de toutes les personnes qui pourraient être amenées à partir, c'est-à-dire de toutes les personnes, à part éventuellement de ton associé historique. Donc, il faut bien comprendre, le management, c'est un acte public. Vous ne perdez pas un euro à intégrer vraiment bien. Encore une fois, je vous renvoie à l'article de Félicité, parce que intégrer vraiment bien, ce n'est pas coucouner, faciliter la vie, exactement. etc. Mais intégrer vraiment bien, manager, faire grandir, je prends des salariés. Imaginons, je prends des salariés, comme tu dis, on implique l'équipe. Leur job, c'est de faire grandir la nouvelle recrue qui est là. Faire grandir quelqu'un, ça me fait grandir moi-même. Donc si cette personne, elle ne reste même que un an, le fait d'avoir dû la faire progresser, ça a fait grandir tous les autres. Le calcul inverse, genre, on forme, elle est encore en période d'essai, on lui fait une formation extérieure, oh non, elle est encore en période d'essai. Mais vas-y putain, t'en as rien à foutre. De toute façon, ce qui coûte cher, c'est de recruter, c'est de garder les gens. Vas-y, forme. Top. Écoute,
Moi, ça me va. J'ai l'impression que j'ai des billes. Les billes que j'ai, c'est 1. Il faut réduire au maximum les effets boule de neige qui font que le turnover engendre le turnover et que là, pour le coup, ça peut prendre des dimensions un peu gênantes. Un exemple, moi, que je retiens de comment est-ce qu'on arrive à réduire les effets boule de neige, c'est déjà, on ne fait pas descendre le N plus 2 pour jouer le rôle du N plus 1 qui est parti. Jamais, merci Charles. Voilà. On trouve d'autres solutions. Même pas compétents, qui peuvent être des solutions extérieures, qui peuvent être des solutions qui viennent de l'équipe. Et puis ensuite, se pose la question de comment tu arrives quand même à faire progresser ton management pour réduire un tout petit peu le turnover autant que tu puisses. Là, tu ne dois pas avoir le mauvais, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, le principal truc qu'on s'est dit, c'est exigence et progression. Une exigence orientée vers la progression des gens en partant de l'idée qu'une personne qui sent progresser part beaucoup moins qu'une personne qui se sent stagnée, indépendamment de son statut. Intérimaire, salarié, freelance, tout ce que tu veux. Puisque les intérimaires sont des humains aussi, on l'a dit. Ah oui, c'est vrai, oui, j'avais pas noté ce point-là. Non mais tu sais quoi, c'est marrant parce que c'est une blague, mais des fois, moi je leur dis aux clients, j'en ai mis, mais c'est quand même un humain, non? Mais bien sûr, bien sûr. En parlant de turnover, je retiens aussi pour, en l'occurrence là spécifiquement pour mon client, qu'une belle ambition pour lui, ça peut être d'éduquer le marché du travail à une meilleure utilisation de ses intérimaires. Ça me semble être un truc génial sur lequel il peut trianguler, quoi. C'est-à-dire qu'il ne gère pas directement ses intérimaires, mais il aide ses clients à mieux les gérer. Et ça peut être une super raison pour un intérimaire de venir ici plutôt que là dans les entreprises de travail temporaire. Et puis ensuite, le gros paquet que je retiens à la fin, c'est aussi le turnover. C'est pas forcément un mal parce que c'est aussi la liberté. Et donc, plutôt que de parler de management du turnover, on peut parler de management de la liberté. Simplement, il faut que ça s'organise. Et il y a plein de manières de l'organiser. Déjà, le laisser faire, c'est-à-dire que c'est quasiment toujours un bon calcul d'aider les gens à exercer leur liberté plutôt que de chercher à les retenir ou de leur faire comprendre que leur liberté, ok, mais dans 2 ans ou dans 3 ans. Et puis, à partir du moment où il va falloir soulager les managers d'un certain nombre de tâches de recrutement et d'intégration qui peuvent devenir plus récurrentes, faut s'appuyer sur l'équipe pour le faire. Et c'est tellement valorisant pour l'équipe et c'est une telle source de progression pour l'équipe de le faire que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Eh ben bravo Camille, Jérôme, t'as bien suivi. Non mais ouais, je pense que ça peut. En tout cas, ça va être des bonnes pistes avec ton, avec ton client et je pense pour tout le monde, à part peut-être l'ambition spécifique pour un intérim, c'est on a un enjeu à repenser un peu le marché du travail et pas uniquement parce qu'il y a la grande démission. Je pense que c'est quand même un appel d'air pour un management plus intelligent de la liberté des gens, quoi. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine. Enfin, ce sera peut-être pas nous ou le mois prochain, ce sera peut-être pas nous deux, mais la table ronde continue avec nous, sans nous, avec d'autres. Exactement. À bientôt tout le monde. Salut. Ciao.